Nous sommes à la Digne d'Aval, au foyer, pour la deuxième édition de la soirée culturelle musique et cinéma. Donc nous avons derrière nous Marina Dor qui est en train d'interpréter son registre de musique de variété française et d'autres chansons. Nous organisons après la diffusion du film Champagne, donc un court-métrage de Stéphane Garrigue, qui a été tourné à la Digne d'Aval avec, en partenariat avec l'association Chocolatine Production et le comité des fêtes. Il y a de la restauration sur place qui est en train d'être préparée par l'équipe du comité des fêtes. Et il y a eu un travail remarquable aussi qui a été fait par toute l'équipe au niveau de la décoration de la salle. Donc sur le thème festival et cinéma. Et nous allons poursuivre après sur la diffusion du film à 21h en présence de l'équipe de tournage, l'équipe technique de Chocolatine Production. Et ça sera l'occasion, après la diffusion, d'avoir un échange de questions-réponses autour du projet, de comment est né le projet, de comment s'est déroulé le tournage sur la Digne d'Aval. On est très content de faire cette soirée. Il y a du monde qui a répondu présent à l'événement et on remercie vraiment tout le monde. On remercie tous les partenaires aussi qui se sont associés à cette soirée. Et on espère qu'on va passer un très bon moment. Alors Chocolatine Production, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant un an et demi. Cette association avait pour but de réaliser des films indépendants comme celui qui va être diffusé ce soir. Et surtout d'être indépendant en termes de diffusion, c'est-à-dire de s'équiper de matériel qui permet de projeter des films dans des salles qui ne sont pas du tout équipées au départ, donc écran, sonorisation et projecteur. Voilà, donc cette association a développé déjà des fictions, des reportages, des clips musicaux. Et vraiment, l'intérêt majeur, c'est de développer des projets comme ce court-métrage. À la diffusion de mon premier long métrage indépendant, donc qui s'appelait Hidden Package, qu'on est venu diffuser ici sur mes terres, puisque moi j'ai grandi dans ce village et ça me faisait vraiment plaisir de venir projeter ce film aux copains, aux amis avec qui j'ai grandi, est venue l'idée avec le comité des fêtes de se lancer dans la production d'un nouveau film, un court métrage, mais basé vraiment sur l'histoire locale, donc sur le film, un film basé sur la blanquette finalement. Donc avec le comité des fêtes, on a décidé de produire ce film, de réaliser ce film dont l'intégralité a été tournée aux environs de la Digne d'Aval, Limoux un petit peu, Saint-Hilaire grâce aux amis, à l'association des amis de Saint-Hilaire, et j'espère que ce film aura un accueil le plus sympa possible. Chocolatine Production, donc c'est une association mais c'est aussi une bande de copains avant tout avec qui je réalise la plupart des projets. C'est Bastien qui me sert de deuxième cadreur, c'est Stéphanie qui s'occupe de la photo, c'est Chris, Marie qui font les petites mains quand il y a besoin de faire des buvettes, de monter des événements, notamment le festival du film indépendant qu'on a lancé l'an dernier sur mes terres, donc à Coufouleux dans le Tarn, festival du film indépendant où on a convoqué d'autres réalisateurs qui avaient un peu le même fonctionnement que nous, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des films avec leurs propres moyens, avec leur savoir, avec leurs amis. Et finalement, il se crée un engouement autour de ces projets-là qui fait que nos films ont été accueillis par d'autres festivals, on accueille leurs films à eux et ça permet de générer des soirées comme celle que vous pouvez voir derrière moi où la population est là et répond vraiment présent et ça fait super plaisir. Le comité des fêtes de la Digne d'Aval évidemment a été partie prenante sur ce projet là puisqu'ils nous ont servi de régie finalement hein. Pour un tournage indépendant le plus compliqué c'est d'avoir une régie puisqu'on a zéro financement et donc quand on tombe sur des bénévoles comme ça qui vous suivent, qui ont le cœur sur la main, alors je pense notamment à Jordan, je pense à Michael, je pense à Béa, je pense à Sandrine, en fait tous les gens qui étaient derrière nous sur ce coup là qui nous ont trouvé des partenaires locaux, des entreprises locales qui nous ont aidé à créer ce projet finalement, hein. C'était vraiment un projet humain qui était extraordinaire, à tel point qu'on envisage aujourd'hui de faire ce genre d'animation tous les ans. Voilà, donc c'est un peu l'exclu du jour. Sachez que on a commencé l'an dernier avec Hidden Package, cette année vous avez Champagne, l'an prochain vous aurez un autre court-métrage dont je tais le nom pour l'instant, et tant qu'on aura cet engouement, on continuera. Thierry ! Ah, voilà. Ah, c'est vous. Retour à la case départ, tout a pété. C'est la merdasse.
J'en ai marre de ce vin du diable. On ne pourra vraiment rien en faire de saut de bouchon. Et surveillez votre langage, on n'est pas chez vous quatre à vous qui compte ici. Mélanger les cépages, je sais faire. Le commerce aussi. Encore faut-il qu'il y ait du liquide avant et que ça arrête de sauter dans tous les sens. C'est vous l'apprenti chimiste. De la maison à quoi ça sert les études qu'on vous dispense si vous ne trouvez pas la solution? Je n'ai que 13 ans, Dom. Et alors, je m'en fous. Mais pourquoi je suis pas parti chez mon cousin bordelais au bord de l'océan? Bon, ils font du vin de merde, mais au moins, quand on met quelque chose de liquide dans la bouteille, eh ben, ça tient plus qu'un jour. Peut-être que vous avez toujours eu peur des voyages. Moi, j'ai peur des voyages. Alors, tu vas m'appeler déjà Dom Pérignon, hein? Et puis, tu vas aller faire mon bagage. On s'en va. Nous partons en visite à Saint-Hilaire. Nous allons voir les Oudoirs. D'ailleurs, tu vas leur envoyer un pli, puis les prévenir qu'on arrive. Mais installez-vous, on va ajouter deux couverts. Merci, mon mari. Merci. Allez-y. Qu'en respectant les étrangers. Les étrangers, ça se respecte. Un jour, ils viendront de leur plein gré par chez nous, tu verras. Allez, allez, goûtons la cartagère. À quoi les bombes? Enfin, c'est du jus de raisin avec de l'alcool. Et, allez, goûtez-moi ça, les curés. Ça, c'est pas du vin de messe, hein? Je suis Dom. Je suis pas un simple curé. Non, mais ça veste 12 ans, tu sais, cagamos tous dans les mêmes troncs, hein. Et nous, on cague tous dans le même trou, hein. Est-ce vous? La bouée. Dessus, ça sera plus difficile, il y a moins de surface à toucher. Dom, vous pouvez sortir, on s'est fait attaquer par notre stock de vin. C'est la chaleur? Vous les secousse ou vous les deux? Je dirais que ça continue à faire monter. Alors, en tout cas, mousse ou pas mousse, on va avoir l'air malin hein, ce soir avec des bouteilles vides pour nos hôtes. On va leur en faire quoi? Allez, allez, vous mettez tout dans la brouette, on y va. Allez, on continue. Et là, toujours la brouette. Elle est collée au même, là. Oui, bah c'est la une la tournée, si c'est. Allez. Allez,
merci, un grand merci à tous. Parce que sans chacun de vous, ce projet n'aurait jamais abouti. Donc, un petit mot. Esplavou le cœur quand t'as géré fort. Castapiono, vous d'accord, hein? Mais c'est de la vraie, quoi. Tiens, mais la voix, elle a voix du bois, hein? Alors le but, c'était quand même qu'ils vous en distribuent à chacun un petit peu en passant, mais bon, si ce préféré, c'est le garder quand même. C'était pas trop, hein. Sortez les verres. Hein. Sortez les verres à la Cartagena. Ruinard arrive, le moignignon. Comme on a vu Jean-Pierre et Fred, que du coup, vous aimez bien ça. Ouais. Et que vous teniez quand même les personnages principaux. Là. Le pire, c'est qu'il dort chez moi quand même. Qu'il est tout. Comme du coup, on a vu que vous aimiez ça, par au nom du comité des fêtes, on a voulu vous remettre une petite statuette. Bon, pour les Oscars, on a été loin, on n'avait pas le budget. Mais du coup, on a pensé qu'une petite bouteille de Cartagène du domaine fort, vous seriez fort aise. Alors voilà le César. Et oui, on peut les applaudir. Ouais. Et Julian, tu avais le choix. Une bouteille de coca, mais on s'est dit, bon, ça va passer. Du coup, ils font aussi du jus de raisin. Donc c'est presque pareil, ça, l'alcool. Donc du coup, tu peux marcher avec ça. C'est la carte à jeter pour enfants, c'est ça. Et ensuite, ouais, pour remercier du coup l'association Chocolatine Production il est là-bas au fond, il se cache là. Avec tout ce qu'on vous a bu sur une semaine, tu vas encore me filer des bouteilles. Du coup, on cherche des sponsors l'année prochaine, si ça ne jamais vous connaissez. Et du coup, voilà, bon, une bouteille de crème en brut du domaine de Lorenz. Voilà, on reste dans le local pour remercier l'association Chocolatine Production. Alors merci, vraiment merci à tous parce que sans vous, bah, ce genre de projet n'existerait pas, je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour l'accueil, pour le partenariat, pour toutes les petites choses que vous avez amenées, je pense à Christiane qui est arrivée sur la place au dernier moment, qui nous a fourni des costumes, des éléments de décor, il y a plein de choses. Francis, sans la cabane au milieu des vignes, on n'aurait rien fait. La famille Sancho, sans la cave, on n'aurait rien fait. Le lapin. Le lapin.